Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Mangas Présente. Aujourd'hui, on parle d'une licence de mon enfance, on parle de Pokémon. Alors, on va parler plus exactement d'une adaptation en manga Pocket Monster Special, plus sobrement appelée chez nous Pokémon La Grande Aventure. Alors, avant de commencer à en parler, on va faire un petit cours d'histoire sur Pokémon. Et soyez indulgents, je suis pas un Pokémon. Alors, Pokémon, ou Pocket Monster dans la langue de Satoshi, est un jeu créé par Satoshi Tajiri en 1996. Dedans, on y suivait un jeune garçon dans la région de Kento qui avait deux missions. La première était de collecter 8 badges pour aller à la Ligue pour ensuite défier le Conseil des 4 et devenir le maître de la Ligue Pokémon. La seconde était de capturer les 151 Pokémon de la région pour compléter le Pokédex. Puis, en cours de route, une troisième quête apparaît, affronter la Team Rocket, organisation criminelle de la région. La série est un petit RPG au tour par tour, très simple et très accessible aux plus jeunes, si bien que la licence a très vite monté en popularité avec un export vers l'international à fond la caisse, et surtout, du merchandising. Sont ainsi nés jeux de cartes, dessins animés, peluches, figurines, et ce dont je vais parler aujourd'hui, des mangas. Et plus exactement, un manga en particulier, celui écrit par Hidenori Kusaka, et dessiné d'abord par Mato, puis par Satoshi Yamamoto. Petit cours d'histoire, la série a tout d'abord été éditée chez Glénat début 2000. On avait le droit à un sens de lecture occidental, ainsi que des modifications de noms. Là où en VO, les personnages ont des noms de cartouches, à savoir rouge, bleu, etc., etc., dans la version de Glénat, les noms des personnages sont en lien avec l'animé, à savoir Sacha et Régis. Et malheureusement, la série a été arrêtée chez Glénat avant la fin du deuxième arc, Jaune. Après ça, rideau pendant une décennie, jusqu'à qu'un certain Kurokawa profite du jeu Pokémon Noir et Blanc pour éditer l'arc du même nom. Un arc qui, un petit peu comme dans les jeux, est totalement isolé du reste des arcs et du monde de Pokémon. Et il faut aussi savoir qu'au Japon, la série a une remise à zéro de sa numérotation avec l'arc Noir et Blanc. Donc autant en profiter pour lancer à nouveau la série, plutôt que se prendre la tête avec les ayants droit sur la renumérotation, un petit peu comme avec Jojo ou Hippo, qui eux ont des numéros de partie, saison et des numéros de continuité. Puis arrive 2015, et là, Kurokawa annonce le premier arc, celui de Glénat, dans une grosse collection en 3 gros volumes intitulés Rouge, Bleu, Jaune, nom des 3 cartouches qu'on a eues en France. Il sort ça un petit peu hésitant, en espérant que le manga va marcher chez nous. Et après ça, ça s'enchaîne. Les arcs déboulent les uns après les autres. En 4 ans, on a presque rattrapé les tomes japonais. Il ne manque qu'au moment où je tourne cette vidéo que les arcs Rosa et Noir 2 Blanc 2, ainsi que la future série sur la 8G. Et pour Noir 2 Blanc 2, c'est un petit peu un cas à part car il s'agit à ce jour du seul arc non terminé et encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo, toujours en pause. Ouh ! Ça, c'était l'introduction. Bon, après cette longue intro, de quoi ça parle exactement Pokémon La Grande Aventure ? On y suit les aventures de Rouge, un jeune garçon plein d'ambition et de fougue. Sa plus grande fierté est d'être considéré comme le meilleur dresseur de Pokémon des environs de Bourg-Palette. Un jour, le professeur Shen va le convaincre de partir à la découverte de nouveaux Pokémon pour compléter l'encyclopédie les répertoriant, le fameux Pokédex. Alors là, je vous fais le résumé du premier arc, car comme chaque jeu Pokémon qui nous fait incarner un nouveau gamin de 10 ans, le manga nous propose à chaque arc un nouveau groupe de protagonistes. Pour être plus exact, chaque cartouche a son propre personnage, sauf les rééditions, on a donc bien rouge mais pas un rouge feu, par contre on a le droit à un noir et un noir 2, car noir 2 est un nouveau jeu et non une réédition.
Je disais donc, chaque cartouche a un personnage qui porte son nom, avec à chaque fois son propre caractère, sa propre mentalité, son propre objectif. Et surtout, son propre rapport aux Pokémon, amis, famille, joueurs, partenaires, coéquipiers, chacun se construit une équipe à son image. Et pour parler des équipes, on le voit pas trop au début de la série, mais plus le temps passe et plus la licence avance, apportant son lot de nouveautés comme le caractère des Pokémon, et bien ça, on le retrouve dans le manga. Par exemple, on a un Togepi de nature mauvaise. Pour revenir sur les personnages principaux, je pourrais gagner du temps et les lister un par un. Mais ça serait très long et très chiant, donc je vais plutôt faire un top 5, et pas un top 5 de mes personnages préférés, mais de ceux que je trouve un petit peu originaux. On commence avec Rouge, le héros de la première génération. C'est le héros de Shonen par excellence, il a un lien très fort avec son équipe. Il va passer d'un petit gamin plein de fougue et d'ambition à un héros légendaire qui pue la classe. Ruby, l'un des personnages principaux de la troisième génération. C'est une véritable princesse, fan de concours Pokémon. C'est un coordinateur Pokémon qui n'aime pas la violence et préfère la beauté. Il préfère l'apparence de ses Pokémon à leurs statistiques, et bien qu'au fond il n'aime pas la violence, il est hyper doué pour les combats ce con. Diamant, membre du trio de la quatrième génération. J'adore ce personnage parce qu'il passe son temps à se goinfrer, il passe sa vie en cuisine et à becquer, et son équipe est à son image, des poids lourds. En plus de ça, au début de l'histoire, avec son pote Perle, leur rêve c'est de devenir humoriste. C'est génial. Et un truc drôle, c'est un fan de Tokusatsu. Xavier, alias X, le héros de la saga X et Y. Alors c'est un énième dresseur de génie qui est invaincu. Par contre, lui, il a très mal vécu son succès et vit désormais cloîtré comme un hikikomori. Il part à l'aventure, mais c'est toujours en tailleur et sous sa couverture. Je trouve ça génial. Et il a une team presque full méga évolution, la team Cheaté. Lune, l'héroïne de la 7ème et avant-dernière génération à ce jour. J'adore son compagnon Soleil qui a pour ambition d'amasser de la thune, mais ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle s'est construit une team Pokémon Poison. Car elle rêve de devenir médecin. Je trouve ça génial. Mais au final, malgré leurs différences, les personnages principaux sont tous bons. Même Bleu et Argent, qui sont des rivaux méchants dans les jeux, ben dans le manga, ils ont un bon fond. C'est peut-être l'une des faiblesses d'écriture du manga, avec le manichéisme des héros tout blancs comme neige, certains sont légèrement gris, mais aucun n'est foncièrement mauvais. Parfois en apparence au début de l'aventure, mais au fil du temps, ils deviennent tous gentils. Ça rend les rivaux un peu méchants du début bien plus cool avec le temps car ils ont un développement de personnages et une remise en question. Mais par contre, ben les personnages principaux gentils, ils le sont du début jusqu'à la fin. Alors que les méchants, bon, certains sont méchants, y a pas à chier. Mais d'autres, hein, c'est léger mais c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus grisonnant quand même. Et c'est encore plus grisonnant quand on les revoit. Car oui, contrairement à l'animé, ici Dialga, le maître du temps, a du pouvoir. Et le temps avance de jeu en jeu, d'arc en arc. Ça se remarque pas trop dans un arc qui, souvent, se déroule sur un court laps de temps. Mais d'un arc à l'autre, quand les personnages reviennent, on le voit direct, car ils ont grandi. Entre le premier arc, rouge, bleu, vert, et le second, jaune, il se passe environ un an. C'est minime, mais entre l'arc jaune et l'arc or, argent, cristal, il se passe à nouveau un an. Et l'arc suivant aussi. Et quand t'additionnes tout ça, ben au bout de 5-6 arcs, il s'est passé 5-6 ans. Donc Rouge qui avait 10 ans dans le premier arc, au bout du 6ème, il en a 16-17. Et donc il est plus un gamin, c'est un adulte. Et c'est un truc qui fait toujours plaisir, de revoir un personnage qu'on a suivi pendant plusieurs tomes, réapparaître en mode plus adulte, plus sage, plus fort, pour épauler les rookies actuels, comment c'est stylé. J'ai dit il y a quelques instants que les arcs se déroulaient sur un court laps de temps. Les mangas aussi. On est loin de One Piece avec ses sagas qui font plus de 10 tomes. Ici tablé environ 6 tomes pour un arc. Et avec la version de Kurokawa, c'est encore plus simple car plus ou moins un bloc de 3 tomes égale un arc. Mais il y a toujours des exceptions, par exemple Rouge Feu Vert Feuille et Émeraude sont réunis en 4 pavés, donc 2 arcs pour 4 gros tomes. Diamant Perle Platine c'est 5 gros tomes pour 2 arcs. Et
Erzgul Soul Silver, c'est un seul gros pavé. Je trouve ça pas mal d'avoir des arcs assez rapides, comme ça on peut passer rapidement d'un arc à l'autre, d'une génération à l'autre, d'un héros à l'autre. Et là, je vais sûrement m'attirer des ennemis, mais plus le temps passe, plus vous pouvez vous passer de la chronologie, même si je vous le déconseille. Car plus le temps passe, moins on a de personnages des arcs précédents qui reviennent. Pour vous faire une petite chronologie, vous commencez naturellement avec l'arc rouge-bleu-vert, puis vous enchaînez avec jaune, suivi d'or-argent-cristal, qui forme un tout global. Un peu la saga jeu Game Boy. Ensuite, soit vous passez à rouge-vert-feuille, soit vous passez à rubis-saphir, qui peuvent se dérouler en parallèle. Surtout que dans ce dernier, ils ne font aucune mention des arcs précédents. Par contre, pour suivre l'arc émeraude, il faut absolument avoir lu l'arc rubis-saphir et rouge-vert-feuille, parce que l'arc émeraude, c'est la suite directe des deux arcs. Ensuite, soit vous commencez direct diamant et perle, soit vous commencez cœur d'or, âme d'argent, car en théorie, cœur d'or, âme d'argent se passe après émeraude, mais avant diamant et perle, même s'il a été écrit et dessiné après l'arc platine. Diamant et perle, lui, par contre, vous pouvez le lire indépendamment, et une fois que vous avez terminé cet arc-là, vous enchaînez direct avec platine. Noir et blanc, il est dans son coin, donc on peut le lire un petit peu quand on veut. Noir 2, blanc 2, je dis ça avec d'énormes pincettes car je ne l'ai pas lu, mais c'est sûr et certain que ce sera la suite de noir et blanc. X et Y est indépendant lui aussi, mais il y a quand même quelques petites mentions des arcs précédents. Pour Soleil et Lune, je botte en touche, mais vous pouvez de toute façon le commencer sans avoir lu les arcs précédents. Enfin, pour l'arc Rosa, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que, un petit peu comme pour l'arc Cœur d'Or, Âme d'Argent, il se passe après l'arc Émeraude, et je pense qu'il se passera avant l'arc XY. S'il fait un petit peu comme pour Cœur d'Or, Âme d'Argent. Et pour parler un peu plus sérieusement des arcs, il y a de nombreuses libertés par rapport aux matériaux d'origine. Tout d'abord, la quête des badges, rouge et bleu, ils la font, ils participent même à la Ligue Pokémon. Or, argent et cristal croisent les champions, mais ils ne font absolument pas la collecte des badges. Ruby fait les concours Pokémon, pendant que Saphir collecte les 8 badges. Diamant et Perle escortent Platine dans son périple, et en bonus de son voyage, elle collecte les badges. Le personnage de Noir veut vaincre la Ligue Pokémon, et donc forcément, il doit passer par la case champion d'arène. X et Y, dès le début de l'arc, ils sont attaqués par la Team Flare, ils ont absolument pas le temps de s'occuper des badges. Enfin, dans Soleil et Lune, Soleil est contraint de faire le tour des îles avec son boulot de livreur. Bien que les arcs se permettent de modifier l'histoire de par la quête des héros et leur personnalité, on a tout de même une partie des plans des méchants qui persistent. C'est un petit peu le seul truc qui reste des jeux. Rouge et bleu suivent fidèlement le jeu vidéo, Or et Argent sont surtout aux prises de la Team Rocket qui a un plan très différent de celui du jeu, Ruby et Saphir dans leur compétition croisent les teams Aqua et Magma dans un scénar proche d'Emeraude, Diamant et Perle escortent Platine qui elle doit accomplir une mission pour sa famille, et c'est plus ou moins lié à la Team Galaxy. Je vais pas tous les faire, par contre, concernant les rééditions, eux, elles s'offrent le luxe de créer des histoires totalement inédites. Dans l'arc jaune, l'héroïne affronte le Conseil des 4, qui est devenu un groupe d'écolo Pokémon hardcore. Rouge Feu Vert Feuille prend place dans les îles créées pour le remake, pour ensuite parler des origines d'un personnage en particulier. Dans l'arc émeraude, celui-ci récupère les emblèmes de la zone de combat, la zone inédite de la réédition, pour qu'ensuite il y ait une connexion avec les arcs précédents. Dans Platine, c'est pareil, ça commence avec la zone de combat, et ensuite, on part dans le monde distorsion de Giratina. Dans Cœur d'Or, Âme d'Argent, l'histoire commence dans le Dôme Pokéathlon, la nouveauté de la version, et ensuite, ça part dans des bails cosmiques. Et Rosa, j'ai pas lu, donc j'ai qu'une chose à dire. S'il vous plaît, Kurokawa, éditez-nous Pokémon Rosa. Qui dit Pokémon dit combat de Pokémon, donc il serait peut-être temps que je parle de ça. Alors c'est très classique, y'a rien qui va vous surprendre, ça c'est sûr et certain. Et comme toujours, le manga adapte les différentes attaques du jeu vidéo en leur rajoutant des effets logiques. Quand le Pokémon est brûlé, gelé ou empoisonné, ça se voit direct à sa gueule. Je tiens aussi à noter que le chara-design des Pokémon est strictement le même que dans le jeu vidéo,
ce qui est agréable et permet de voir le corps des 10 Pokémon réagir à des attaques. On sent bien le côté organique des monstres de poche et comment leur corps peut réagir face à des attaques ou bien dans un environnement. Enfin, pour ce qui est du dessin, c'est classique. Un dessin simple sans être simpliste, avec des traits épais pour donner des designs très simples mais marquants. Le livre étant un shonen, il nous livre des double pages incroyables et plusieurs moments très impactants. Il faut aussi que je parle du changement d'auteur pendant l'arc Or et Argent, on est passé de Mato à Satoshi Yamamoto. Au départ, celui-ci a gardé le style de Mato, donc très rond et simple, pour petit à petit le faire évoluer et sûrement pour le faire s'approcher de son propre style. C'est visible dès l'arc suivant, celui de Ruby et Saphir, car Yamamoto n'a pas eu à singer des persos déjà créés par Mato, mais a créé ses propres personnages avec le duo de cet arc. En conclusion, à l'origine, Pokémon La Grande Aventure était une adaptation pour surfer sur le raz-de-marée Pokémon qui est arrivé à la fin du millénaire précédent. Et au final, avec le temps, le manga, il est devenu bien, enfin il a toujours été bien, mais avec le temps, c'était plus vraiment un produit purement commercial, c'était un bon produit tout court. Je vais être honnête avec vous, 2 minutes, à une époque, j'ai totalement décroché de Pokémon. C'était vert, noir, blanc, noir 2, blanc 2, j'ai totalement arrêté de jouer à Pokémon. Pendant au moins une génération entière, je m'y suis remis pour Soleil et Lune. Je me suis acheté XY, j'ai surkiffé, j'ai acheté Rosa, j'ai surkiffé, mais... Noir et blanc, ça m'a un petit peu, je l'ai pas fini. Noir 2, blanc 2, je l'ai même pas acheté. Par contre, le manga, j'ai continué à le suivre un petit peu de loin, parce que bon, c'est pareil, j'en avais un petit peu marre de tout, mais je continue à suivre un petit peu le manga de loin. Et c'est pour ça que je suis resté un petit peu, je connaissais un peu les Pokémon, tout ça, mais voilà, j'ai plus vraiment trop joué. C'est pour vous montrer à quel point le manga était bien, était spécial à mes yeux, parce que, même si j'aimais plus trop la licence, le manga, c'était vraiment une sorte de chose à part, une autre histoire, une autre vision de l'œuvre. Et c'est pour ça que, lisez Pokémon, même si vous n'aimez pas les jeux, si vous connaissez pas les jeux, lisez, parce que c'est une super œuvre. Et même si dans le futur, j'arrête de jouer à nouveau à Pokémon avec la version Switch, l'épée et le bouclier, je pense que je continuerai à lire le manga qui sortira chez Kurokawa, parce que ce manga, il est bien. Voilà. Et je finirai par dire que j'ai quand même une super dédicace de l'auteur, et ça, ça n'a pas de prix. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.